Savez-vous qui vous a créé? Qui vous a donné un corps? La couleur de vos yeux et de vos cheveux? Qui a décidé de votre taille, de la couleur de votre peau? Qui vous a créé parmi toute la création, celle des cieux et de la terre, ainsi que toutes les créatures? Qui a établi l'ordre des planètes, du soleil, des étoiles dans l'univers? La majorité des personnes répondent toujours à ces questions de la même manière, disant « Allah nous a créés ». Et ce fait est indiscutable. Mais comment pouvez-vous parvenir à la connaissance parfaite d'Allah, notre Créateur et celui de tout l'univers? Par le documentaire que nous allons voir, nous essaierons de vous rapprocher de la réalité de notre Créateur, Allah, notre Seigneur, plus proche de nous que notre veine jugulaire. Al-Awwal, le premier, dont l'existence n'a pas de commencement. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. L'univers a-t-il eu un commencement? C'est une des questions à laquelle l'homme a cherché une réponse pendant des siècles. Ceux qui ont compris que l'univers a un créateur sont aussi persuadés qu'il a eu un commencement. Cependant, certaines personnes refusent l'idée même d'un créateur, allant jusqu'à décréter que l'univers n'a jamais eu de commencement. Il existe ainsi, selon eux, depuis toujours et continuera à exister pour toujours. Or, les progrès scientifiques actuels ont clairement prouvé que ces gens sont dans l'erreur. Un bon nombre de théories ont été avancées pour expliquer l'origine de l'univers. De nos jours, cependant, les milieux scientifiques s'accordent tous sur un point. Une découverte scientifique récente a mis en évidence le fait suivant. En 1929, Edwin Hubble a découvert que l'univers était en constante expansion. À partir de cette thèse, les scientifiques ont formulé une importante hypothèse. Si le déroulement du temps dans un univers en expansion était inversé, il serait alors possible d'imaginer l'univers entier comme un système rétractile, telle une étoile géante devenant par exemple de plus en plus petite. La conclusion logique est qu'un univers qui se rétracte au fil du temps doit tôt ou tard revenir à son point de départ, un point unique, minuscule. L'explosion de ce point unique a été par conséquent à l'origine de l'expansion de l'univers. Notre univers a bien eu un commencement, cela veut dire qu'un créateur infiniment puissant l'a créé. Ce créateur est Allah le Tout-Puissant. Il était là avant les créatures, les planètes, les galaxies, l'univers tout entier, et même bien avant la création du temps. Il est en effet le premier dont l'existence n'a pas de commencement. Al-Adl, le juste, l'équitable. Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah, et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste.
Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété, et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah est le plus juste parmi les justes. Son infinie justice couvre l'univers dans toute sa dimension. Il jugera ses serviteurs dans ce monde et dans l'autre monde. Allah, celui qui entend tout, celui qui sait tout, et celui qui est informé de tout, domine l'univers par sa sagesse et sa justice suprême. Tout ce que les hommes accomplissent dans leur vie sera jugé à la lumière de sa justice infinie. Allah a révélé dans le Coran que ceux qui commettent des péchés et sèment le désordre sur terre ne resteront pas impunis. La plus infime bonne parole sera, quant à elle, récompensée. Le bien et le mal sont deux choses distinctes aux yeux d'Allah et il règne entre eux dans une totale équité. Le lieu où la justice infinie d'Allah sera clairement visible est l'au-delà. Il est certain qu'Allah n'omet aucune action et ses promesses sont véridiques. Chaque être humain, sans exception, sera rétribué pour ses actes ici-bas. Ceux qui commettent le mal seront châtiés pour leur forfait, et ceux qui croient en Allah et accomplissent de bonnes œuvres recevront la plus belle et la meilleure des récompenses de sa part. Al-Afu, celui qui efface, l'indulgent, dont le pardon est large. Que vous fassiez du bien ouvertement ou en cachette, ou bien que vous pardonniez un mal, alors Allah est pardonneur et omnipotent. De par leur nature même, les hommes sont enclins à commettre des erreurs. Ils peuvent se tromper dans leur appréciation à tout moment, prendre des décisions erronées, mal se comporter. Pourtant, Allah qui a créé l'homme et qui connaît parfaitement ses imperfections, lui pardonne aussi ses fautes. Si Allah ne pardonnait pas, nul n'accéderait au paradis. Il ne faut pas oublier qu'Allah pardonne à ses serviteurs sincères. Le plus important pour une personne, c'est d'une part la sincérité de ses actes et d'autre part sa soumission à Allah tout en étant consciente de ses propres faiblesses. Allah pardonne les péchés de ceux qui se tournent vers lui sincèrement. Il l'a révélé dans le Coran. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir, et Allah est omniscient et sage. Al-Alim, le très savant, l'omniscient. Allah connaît l'inconnaissable dans les cieux et la terre. Il connaît le contenu des cœurs. Allah possède la connaissance des cieux et de la terre, des créatures, des lois qui régissent l'univers. Il appréhende tout ce qui s'y passe, tout ce qui s'y fait ou s'y fera de tout temps.